comment? Bonsoir à toutes! Et bonsoir à tous! Merci d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir à Rezé, à la salle du Seille. Et je vais enlever mon masque. Alors, ce soir, on a un chiffre. Nous avons rempli la salle du Seille, comme vous pouvez le constater. Nous sommes 250. Bon, après, on pousse les murs. Alors, avant toute chose, on vous rappelle que le meeting de ce soir n'est pas soumis au pass sanitaire, mais ça veut dire qu'il faut garder vos masques tout le long de la soirée. Vous ne faites pas comme nous, quoi, en fait, en gros, exactement. Si je résume bien les affaires. Il y a des malentendants dans la salle pour qu'ils puissent lire sur nos lèvres. Ce sera mieux. Je voulais déjà remercier les personnes qui se sont mobilisées pour ce soir, hein, les personnes qui ont installé les chaises quand vous êtes arrivés, c'était fait. Je voudrais, et merci aussi à ceux qui rangeront tout à l'heure. Je dis ça comme ça. Et merci aussi aux gens du POI qui ont tracté pour ce meeting. Voilà, vous savez qu'ils nous ont rejoints. Merci à vous. Merci à vous. D'avoir bravé le vent et le froid. Non, il ne pleut jamais en Bretagne. Jamais. Alors vous le savez, la candidature de Jean-Luc Mélenchon s'est lancée le 8 novembre 2020. Avec une annonce de candidature en direct à la télévision. Il avait mis une condition pour cela, pour être vraiment candidat. Il voulait 150 000 parrainages citoyens. C'est un chiffre qui a été atteint en 4 jours à l'époque. Donc depuis, la campagne a été lancée. Elle a été lancée. Qu'est-ce que nous avons fait depuis ? Nous avons fait des émissions thématiques. Nous avons fait des cahiers programmatiques. Nous nous sommes rassemblés aux Amphis, pour ceux qui étaient là. Nous nous sommes rassemblés à la Reims pour la Convention de l'Union Populaire. Et récemment, ce dimanche, nous nous sommes rassemblés à Paris, à La Défense, pour le grand meeting de l'Union Populaire, avec la présentation du Parlement de l'Union Populaire. Bon, mais ici, en Loire-Atlantique, eh ben, notre campagne a bien démarré. Il y a eu des centaines d'actions, des porte-à-porte, des caravanes populaires, des inscriptions sur liste électorale, une campagne d'appels qui atteint maintenant presque les 400 appels. D'ailleurs, je crois qu'on cherche des volontaires pour la campagne d'appels. Mobilisez-vous. Des déboulés tous les 15 jours. Alors, si certains veulent savoir ce que c'est qu'un déboulé, il faudra venir nous voir, on va vous expliquer tout ça. Des ventes de programmes qui ont plutôt bien marché. À ce propos, le programme, vous le savez peut-être ou peut-être pas, si vous découvrez... notre organisation. Il est sorti le 18 novembre, il s'appelle L'Avenir en commun et il a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore le vôtre, vous pouvez en acquérir un sur l'un de nos stands à la sortie. Alors c'est bien de dire tout ça, mais du coup, il est comment ce programme ? Eh bien, il est fort de 694 propositions qui répondent aux urgences sociales, climatiques, démocratiques qui minent notre pays aujourd'hui. La situation politique, sous le mandat d'Emmanuel Macron, elle est catastrophique. Le nombre de gens vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté jusqu'à 12 millions aujourd'hui. Plus de 8 millions de personnes qui vivent avec un besoin d'aide alimentaire. 6,5 millions de chômeurs et un quinquennat de renoncement climatique avec la réintroduction de pesticides, avec l'abandon total de la transition énergétique, avec le retour de l'industrie nucléaire. Et on le sait ici qu'un des projets qu'Emmanuel Macron veut mettre en avant, c'est installer un réacteur nucléaire entre chez nous et Saint-Nazaire, à Cordemais. Cette pratique du pouvoir, elle est de plus en plus autoritaire. Il est donc urgent pour notre pays de se refonder, pour notre peuple de refonder sa démocratie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant, qu'est-ce qu'il y a de plus enthousiasmant comme thème que de poursuivre avec la démocratie ? Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'entends pouvoir par le peuple et pour le peuple, automatiquement, il y a quelque chose qui me vient dans la tête. C'est bien la 6e République. Et pour en parler, on va vous demander d'accueillir nos 3 orateurs de ce soir. Le premier, il parle directement de ça. Il est député de Seine-Saint-Denis sur la circonscription de Montreuil et Bagnolet.
Il est auteur de Jacobin, les inventeurs de la République. Je vous encourage à lire. Et il est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'accueillir Alexis Corbière. Youhou. Et notre seconde intervenante, elle est députée européenne. Elle est coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen. Et plus jeune femme au Parlement européen. Et c'est la plus jeune femme à avoir occupé cette fonction. On est gentil, on est content, on accueille Manon Aubry. Désolée Manon, il me manque un article. Notre troisième intervenant est député européen. Il est directeur de la délégation, président de la délégation insoumise au Parlement européen et c'est également notre directeur de campagne pour la campagne présidentielle. Merci d'accueillir Manuel Bompard. Merci à tous les trois d'être venus en Loire-Atlantique. Ah d'accord, bon, ok. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci de cet accueil. Beaucoup de choses ont été dites. Je remercie moi aussi les militantes, les militants. Je le dis parce que dans le contexte actuel, y compris par rapport à toute série de petites choses que j'évoquerai sans doute, et Manu y reviendra et Manon aussi, mais n'oubliez pas qu'une campagne, c'est d'abord des militantes et des militants qui la font. Je le répéterai en réponse à certains de nos amis, il n'y a pas de raccourci. Nous sommes à 4 mois d'une échéance majeure et le résultat de l'échéance sera donné par celles et ceux qui se mobilisent pour aller convaincre des millions de nos concitoyens qui, pour l'instant, ont les idées encore un petit peu floues, et c'est normal, sur ce qui est bon pour le pays. Donc, c'est celles et ceux qui ont permis cette réunion et qui, au même moment où nous discutons, permettent le même type de réunion dans tout le pays. Il y a quelques jours, j'étais moi dans d'autres villes, Manu, Manon, pareil, qui créent un peu le sel véritablement de ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire la capacité de délibération. C'est ça qui fera basculer les choses. Alors précisément, les amis qui ont organisé cette réunion et que je remercie ont essayé un peu de séquencer les thèmes qu'il s'agit d'aborder. On va voir si ça fonctionne. Manu et Manon aborderont aussi différents sujets. C'est difficile, mais je vais commencer par un sujet, il a été dit, qui me tient à cœur, bah, qui nous tient tous à cœur. Et puis même pour dire les choses simplement, pour ce qui est du programme L'Avenir en commun, c'est le thème par lequel le livre commence, si je puis dire. C'est le premier chapitre que nous abordons, à savoir la question de notre proposition d'une 6e République. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de considérer qu'à partir du moment où aujourd'hui tout le monde, hein, vous savez c'est devenu un mot qui précédemment doit être précisé, tout le monde se dit républicain, mais si la République compte de vrais ennemis, elle a parfois aussi de faux amis. Parce que la République, c'est d'abord et avant tout un régime dans lequel il y a un souverain, le peuple. Et la République est le lieu, doit être le lieu d'épanouissement de l'expression populaire. La République, d'abord, c'est ce cadre d'expression de la souveraineté populaire. Et il faut observer quelque chose qui ne peut pas être dans l'angle mort des analyses politiques, c'est même la question majeure. C'est que depuis quelques années, scrutin après scrutin, eh bien, le peuple ne vient plus. On vient d'avoir des échéances électorales dernièrement, je pense aux élections régionales. Les élections municipales, c'était pareil, et les élections européennes avant également. 70% de nos concitoyens ne sont pas venus voter. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où le segment de participation électorale entre 25 à 30% seulement des électeurs inscrits. Ce à quoi il faut rajouter quelque chose dont on ne vous parle jamais, c'est qu'il y a en plus près de 4,5 millions de nos concitoyens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et il y a aussi également 7,6 millions de gens qui en France sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voter car souvent ils sont inscrits sur des bureaux de vote auxquels ils n'habitent plus, etc., etc. Donc on a une masse, un océan aujourd'hui populaire qui ne participe plus aux échéances électorales. Donc c'est la question majeure. Normalement, si je vous décrivais une société dans laquelle celui ou celle qui serait élu, qui concentrerait beaucoup de pouvoir, se retrouverait en fait comme étant seulement désigné par 15% du corps électoral, vous diriez ce que tu es en train d'écrire, Alexis, c'est une société autoritaire ou du moins un régime sacrément d'une démocratie de basse intensité. Et pourtant, rappelez-vous, à l'occasion de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a rassemblé 18% des électeurs inscrits, je parle des électeurs inscrits, s'est retrouvé propulsé au second tour face à une candidate
qui faisait tellement repoussoir que beaucoup de gens sont venus voter, non pas du tout en adhésion au programme de ce président, mais d'abord en rejet de cette candidate d'extrême droite, vous vous rappelez de ça. Et aujourd'hui, ce mode de désignation fait que pour autant, malgré le fait qu'il ait rassemblé 18% des électeurs inscrits au premier tour et 43% des électeurs inscrits au second tour, même pas une majorité, il concentre énormément de pouvoir. C'est la 5e République. Et cela a continué également à un autre rendez-vous électoral qui a suivi, les élections législatives, qui sont censées être une espèce de contre-pouvoir vis-à-vis du président de la République. Et pour autant, le parti En Marche, qui soutient ce président, a rassemblé près de 13% des électeurs inscrits aux élections législatives et a obtenu 57% du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la 5e République telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, participation quasi inexistante dans certains endroits. Représentativité très faible. Au passage, pour qu'il n'y ait pas de polémique, je me l'applique à moi-même. Je suis député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, ça a été dit par les camarades. Je suis élu au second tour à pratiquement 60% des voix, 59,6 pour être précis. Et pourtant, j'ai fait le calcul, je ne représente que 21% des électeurs inscrits de ma circonscription. C'est-à-dire, je suis député d'une circonscription, 80% des gens ne sont pas venus voter pour moi. Et vous ajoutez en plus que chez nous, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont étrangers. Ça veut dire que quasiment 9 personnes sur 10 n'ont pas voté pour le député qui les représente à l'Assemblée. C'est une réalité pour moi, c'est une réalité pour les 576 autres députés. Donc vous comprenez le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au-delà, je dirais, de ce qu'on pense de la politique qui est menée, il y a dans ce pays, tout ça repose sur une base sociale extrêmement faible, ou du moins une base électorale extrêmement faible. Donc il faut dénouer cette affaire. Déjà comprendre que, je n'ai pas le temps de développer parce qu'il faut que j'aille vite, mais rappelez-vous que la 5e République est née dans un moment terrible historique, en 1958. Pourquoi il y a la 5e République? Parce qu'il y a une situation de quasi-guerre civile qui vient de la question coloniale, c'est la guerre d'Algérie qui n'arrive pas à se dénouer, une situation de tension extrême, évidemment une violence sur le territoire algérien, des attentats aussi qui sont sur le territoire national, et une menace de coup d'État militaire. Les plus anciens s'en souviennent. En 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir parce que des secteurs de l'armée font la menace sur des secteurs politiques en disant s'il n'y a pas le retour du général, alors il y a la possibilité qu'il y ait un coup d'État militaire en France. On appelait ça l'opération Résurrection. C'est donc dans cette situation de crise extrême qu'un homme arrive au pouvoir, auréolé d'un rôle historique majeur, c'est le général de Gaulle, mais dans un monde de tension extrême, et qui, à ce moment-là, même quand il arrive, une des conditions de toute une série de gens qui acceptent son arrivée est qu'au moins le président de la République ne soit pas élu au suffrage universel. Et c'est 4 ans plus tard, après l'attentat du Petit Clamart, vous savez, la menace de la possibilité d'assassiner le général de Gaulle, que le général de Gaulle profite de l'occasion en disant on va renforcer encore plus les pouvoirs du président et on va le faire élire au suffrage universel, ce qui est vécu à l'époque comme quelque chose qui révolte tous les républicains. Un homme que vous avez peut-être oublié, qui s'appelait Gaston Monnerville, qui était à l'époque le président, un des présidents du Conseil, dira que c'est une forfaiture. Donc les conditions, ce que je veux développer, puis je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais en 58 ou 62, quand vraiment le régime de la 5e République se met en place, c'est un moment de tension extrême, d'acceptation de choses qu'aujourd'hui nous n'accepterions pas, mais parce que le pays était indiscutablement dans un moment extrêmement difficile, mais qui avait malgré tout mobilisé beaucoup d'opposition à cela. Et rappelez-vous même qu'une des figures de la gauche de l'époque, qui s'appelait François Mitterrand, deviendra une personnalité majeure parce qu'il dira non à ces institutions. Et longtemps, le camp dont nous faisons partie, le camp de la gauche, a été le camp qui était opposé à ces institutions. J'arrête là. Mais si nous voulons reprendre le fil de ce combat, de ceux qui sont pour la souveraineté populaire, de ceux qui n'acceptent pas qu'autant de pouvoir se concentre sur un seul homme, le président de la République, qui n'acceptent pas que le Parlement, en vérité, soit une simple chambre d'enregistrement, en particulier depuis la mise en place du quinquennat, qui en quelque sorte colle complètement l'élection législative sur l'élection présidentielle, tous ceux qui veulent un système dans lequel le peuple reste souverain, même entre deux rendez-vous électoraux. Il faut donc passer en 6e République. Mais la méthode que nous proposons est une affaire importante. Et un désaccord aussi avec, me semble-t-il, tous les candidats déclarés à l'heure actuelle. La rédaction, faut du moins la délibération autour de ce que doivent être ces nouvelles institutions, ne doit pas être l'objet d'un comité d'experts qui vient ensuite de manière binaire, êtes-vous d'accord ou pas avec ce que nous vous proposons. Mais la réflexion autour de nouvelles institutions doit être précisément un moment de grande délibération dans le pays. Et en disant ça, je ne suis pas en train de, quelque sorte, de faire preuve d'une espèce de, comment je pourrais dire, d'invention théorique non conforme à notre histoire nationale. C'est au contraire renouer avec la manière dont nous avons toujours fait en France, c'est-à-dire réunir une assemblée constituante. Voilà ce qui est dans le programme. Alors je détaille en deux mots. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République,
il y aura, sitôt après son élection, une élection classique type assemblée législative comme c'est à l'heure actuelle. Mais ce que nous avons pensé, c'est que une fois élu, il y aura cette assemblée classique. Le 14 juillet, le président Mélenchon ferait référendum auprès des Français en disant « Me donnez-vous la possibilité de convoquer une élection constituante ?» Les Français répondront oui ou non. Si les Français répondent non, eh bien, il n'y aura pas de 6e République. Nous n'imposerons pas au peuple français, quand même Jean-Luc Mélenchon aurait été élu, ce processus constituant. Mais nous pensons que s'il est élu, il sera précisément élu sur la base de cette idée forte. Donc si c'est le oui qui l'a emporté, eh bien, à la rentrée, à partir du mois d'octobre, seraient convoquées des élections pour élire des députés constituants. Chaque famille politique de ce pays présenterait des listes avec des femmes, des hommes, sur la base de quelle idée ils veulent, dans quel cadre ils veulent notamment mettre en place cette nouvelle constitution, et seraient élus à partir d'une assemblée constituante qui commence ses travaux sans doute vers janvier 2023 et qui travaillerait pendant un an et demi, 2 ans peut-être. Et au terme de ces travaux, en même temps qu'il y aurait le système que vous connaissez à l'heure actuelle, Assemblée nationale et président, il y aurait une assemblée constituante qui travaillerait. Et une fois qu'elle aurait terminé ses travaux, comme cela s'est passé à la Libération en 1945, quand est née la 4e République, il y aura un nouveau référendum qui validerait ou pas la proposition de nouvelles institutions. Vous voyez l'idée ? Donc c'est un processus tout à fait conforme à notre histoire. Et qu'est-ce que nous voulons mettre, nous, les insoumis, notamment dans ces nouvelles institutions ? Plusieurs choses, mais une idée forte. Notamment le fait que nous pensons qu'à l'heure actuelle, nous avons un système qui est trop fort d'irresponsabilité politique, en particulier sur le président de la République, qui est quasiment constitutionnellement irresponsable. Irresponsable, ça veut dire qu'une fois qu'il est élu, il ne rend compte à personne. Et il faut renouer le lien très fort entre le citoyen et celui qui le représente. Ce que nous proposons, c'est la possibilité qu'existe un droit de révoquer les élus. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que vous avez voté pour Alexis Corbière, vous l'avez trouvé dans un premier temps très sympathique, puis après quelques années de pratique, vous trouvez que ce qu'il fait n'est pas conforme à ce que vous attendiez. Si un certain nombre d'électeurs le demandent, on fixerait les choses, pourquoi pas à 10% d'électeurs inscrits. Ils disent, on veut refaire l'élection de ce député Corbière. Si 10% d'électeurs se rassemblent, en mettant leur nom, etc., classiquement, hein, pour pas qu'il y ait d'embrouille, eh bien l'élection aurait à nouveau lieu. Et après cette élection, peut-être que Corbière finalement serait réélu, parce que finalement il n'était pas si mal que ça, ou peut-être qu'il serait battu, parce que finalement les électeurs considéraient que ça valait le coup de refaire le vote, parce que le travail qu'il a fait n'est pas conforme. En faisant cela, on crée un cercle vertueux. C'est-à-dire que ceux qui sont élus savent qu'y compris durant leur mandat, l'électeur n'est pas un gamin renvoyé à la maison, qui n'a de droit civique qu'une fois tous les 5 ans, mais qui est un acteur politique qui garde le droit de contrôle sur celui qui mène une politique en sa faveur. Ça modifierait complètement nos institutions, et en particulier, bien sûr, concernant le président de la République. Notre idée n'est pas de créer une situation de chaos permanent, et c'est d'ailleurs l'objet d'une loi que je présenterai le 13 janvier prochain à l'occasion de ce qu'on appelle nos niches parlementaires. Nous proposons que ce droit de révoquer puisse être déclenché après 1 an au moins de pratique pour que l'élection puisse avoir lieu, on est élu, on ne refait pas l'élection qui vient d'avoir lieu, et nous proposons que ça ne puisse pas avoir lieu aussi dans la dernière année de mandat, afin que ce ne soit pas une manière, comment dirais-je, de venir brouiller l'élection qui doit avoir lieu. Mais vous voyez à peu près la proposition. C'est une idée, je le répète, qui renouerait avec notre tradition démocratique. Vous savez, moi je suis un passionné de Révolution française, le droit au rappel était tout à fait une pratique qui avait lieu dans les assemblées communales et dans les assemblées qui ont désigné les représentants, notamment du tiers-État, dont notamment la réunion des États généraux est telle que ça se pratiquait, y compris dans les assemblées communales médiévales, pendant plusieurs siècles en France. Donc voilà, 6e République. La 6e République, pour dire l'enjeu majeur de l'élection qui vient, le mandat premier que se fixe le candidat Mélenchon, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Mélenchon ne veut pas être meilleur Macron que Macron. Ce que nous vous proposons, ce n'est pas d'élire un monarque plus éclairé, plus sympathique, dans lequel nous vous invitons à faites-lui confiance, parce que Manu et Manon et moi, on le connaît, il est sympa. C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, est sympa. C'est pas le sujet. J'informe. Mais je vous invite même à ne pas faire confiance en Jean-Luc Mélenchon. Comme je vous invite à ne pas me faire confiance, ni à faire confiance en soi à Manu ou à Manon. C'est pas ça le sujet. La confiance, c'est un vocabulaire politique de ceux qui, en vérité, veulent vous embrouiller. La question, c'est vos droits. Quels sont vos droits, vous, comme peuple, d'intervenir dans le débat politique ? Ça donc droit de révoquer, pourquoi pas aussi référendum, initiative citoyenne, des possibilités d'intervenir dans le débat. D'accord ? C'est quelque chose de fort, hein, parce que même dans la 5e République basique, inventée par le général de Gaulle, qui était autoritaire, comme je l'ai dit, il y avait quand même lié à la pratique référendaire que quand on perdait le référendum, on partait. C'était le général de Gaulle.
Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a y compris un usage des institutions, la cinquième, qui est beaucoup plus autoritaire. Les amis, je sors de quelques jours de maladie. Je suis désolé, je suis totalement essoufflé. J'espère que je n'ai pas l'air épuisé en vous parlant. Je n'ai pas le Covid, mais j'étais au lit. Alors, pardon. Non, mais j'ai la tête qui tourne. Je suis désolé. Donc, c'était ça l'idée. Et je crois que, précisément parce que de plus en plus se banalise ce fonctionnement autoritaire de nos institutions, c'est ça qui fait le lit à l'extrême droite. C'est l'idée que de plus en plus de gens ne croient plus à notre système démocratique. Et de plus en plus de nos concitoyens se disent finalement, dans cette espèce de chaos permanent, de mensonges permanents, finalement, est-ce que la solution autoritaire n'est pas ce qu'il y a de mieux ? Et c'est ça, là, ce que je veux dire, c'est que si on laisse pourrir nos institutions, si on croit que, allez, il exagère Corbière, on va les garder, cette 5e République, parce que, comme je l'entends dire, ça a créé quand même de la stabilité, eh bien, c'est la porte ouverte à la possibilité. Peut-être pas cette échéance-là, mais pourquoi pas la suivante, que ce soit l'extrême droite qui l'emporte. Donc, c'est comme ça que nous voulons renouer le contact, y compris, et de manière centrale, avec ceux qui s'abstiennent, qui sont l'enjeu de l'élection qui vient, qui sont l'enjeu de la victoire, qui sont l'enjeu de la possibilité d'être au second tour. Et je le répète à l'attention des copains qui, tout à l'heure, m'ont donné un tract qui font partie de la populaire. Amis, pas de raccourcis. L'enjeu majeur, ce que nous avons à faire, c'est mobiliser des millions d'abstentionnistes. Le problème de la gauche, c'est pas aujourd'hui sa division. Elle a historiquement toujours existé. Elle a même été pire à une époque. Lorsque François Mitterrand a été élu en 1986, il y a 7 candidats de gauche déjà. Et en 88, pareil. Et quand François Hollande est élu par la suite, il y avait aussi beaucoup de candidats de gauche. Quand il y avait eu même moins historiquement en 74, où il y avait le candidat unique de la gauche, il a perdu. Donc la question du nombre de candidats n'est pas la clé pour gagner ou perdre. La question, c'est est-ce que des organisations entraînent avec elles des gens ? Est-ce qu'elles convainquent ? Nous le savons très bien, quand nous parlons, quand je fais du porte-à-porte en Seine-Saint-Denis, les gens ne me disent pas « vous êtes tellement divisés que je ne vais pas voter ». Mais ils nous disent « la gauche, je l'ai déjà vu en responsabilité, vous êtes des menteurs. Je ne crois plus en vous, ça ne sert à rien d'aller voter. Moi, j'ai perdu mon boulot, vous n'avez rien foutu. » C'est sous dégoût. C'est y compris le fait que les élus, ah oui, Corbière, sympa, et comme toujours, mais les élus, ça gagne beaucoup, un député, etc. C'est tout ça qu'il faut combattre. Et ça, on le combat en disant, comme j'ai dit tout à l'heure, on gagnerait le droit de révoquer, par exemple. On va vous donner plus de pouvoir comme citoyen. Et puis après, bien sûr, aussi, le fait que nous avons un programme social à dérouler. Alors, le programme social, si précisément il y a eu des politiques antisociales qui ont été menées, c'est parce qu'il y a des institutions qui sont impopulaires, j'ai envie de dire, qui sont popularophobes, si le mot existe. Et elles ont permis ces politiques antisociales. Le bilan de ces politiques antisociales, pour en dire quelques mots, ça a été évoqué tout à l'heure. On a 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté. 1 million supplémentaire depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 8 millions de gens aujourd'hui qui font appel à l'aide alimentaire. C'est ça la réalité d'une pauvreté qui augmente, d'une situation sociale qui s'est dégradée pour beaucoup de nos concitoyens. Du fait qu'on a aujourd'hui, contrairement à la propagande gouvernementale, écoutez-moi bien, écoutez la phrase précisément, plus de gens aujourd'hui inscrits à Pôle emploi qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu. C'est ça la vérité, il y a plus de gens aujourd'hui inscrits à Pôle emploi, contrairement à ce qui est dit. Alors après, vous sur les catégories ABCD, mais la réalité, c'est qu'il y a plus de gens aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 13 chômeurs pour une offre d'emploi. Donc on arrête le baratin comme quoi il y aurait en quelque sorte, si les gens voulaient bien, qu'il pourrait y avoir quasiment plus de chômage. Tout cela est faux. D'autant que la proposition du gouvernement qui est faite aussi, et je dénonce ce scandale à cette occasion, c'est la réforme de l'assurance chômage qui fait qu'ils font des économies de près de 1,17 milliard sur le dos de 2 millions de chômeurs au moins qui vont voir, et j'espère qu'il y en a peut-être hélas dans la salle parmi vous, ils font les poches des chômeurs. Donc ils combattent les chômeurs, ils ne combattent pas le chômage. Et pour dire les choses aussi, sur la pauvreté et l'emploi, les copains y reviendront, mais c'est au cœur de nos propositions. Garantie d'emploi, c'est le fait que si les gens sont d'accord, on leur proposera de rajouter, si nous arrivons en responsabilité, à chaque personne qui serait au chômage, nous rajouterions une somme qui, en plus des droits dont ils disposent à l'heure actuelle, pourrait permettre qu'on puisse avoir un emploi rémunéré au SMIC sur la base de cette garantie d'emploi. Nous sommes favorables aussi à une politique de réduction du temps de travail, disons-le. Simplement, aujourd'hui 35 heures, nous sommes pour aller vers les 32 heures. Qui peut croire que c'est en rallongeant la durée du temps de travail, que c'est en faisant travailler jusqu'à 64, 65 ans qu'on va faire reculer le chômage? C'est absurde. Au passage, pour ceux qui n'auraient pas suivi,
Zemmour, c'est pas seulement celui qui pense que le capitaine Dreyfus était coupable que le maréchal Pétain a sauvé les Juifs français. C'est aussi celui qui dit actuellement aux travailleurs français, si je suis élu, je vous ferai travailler jusqu'à 64 ans. Zemmour, c'est la branche dure du MEDEF. Hein, Zemmour, la proposition qu'il a à faire aux travailleurs, c'est je vais vous débarrasser des Arabes, mais vous allez devoir travailler plus longtemps. Et je le dis parce que la controverse historique avec lui, bien sûr, doit avoir lieu, et nous l'aurons, mais c'est avant tout un candidat de confrontation avec le monde du travail. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est une terrible désindustrialisation. C'est ce que je voulais également vous dire dans les quelques minutes qui me restent. En l'espace, je crois, depuis 1974, c'est près de 2,5 millions d'emplois français en France qui ont été détruits industriels. Actuellement, on en est à une situation où, si je retrouve mes petits chiffres, les plans, depuis 2008, il y a eu 940 usines de plus de 50 salariés qui ont été fermées en 13 ans. 2,5 millions d'emplois industriels, je l'ai dit, détruits depuis 1974. Un petit exemple, par exemple, en 2010, 10% des voitures qui étaient vendues en France étaient produites à l'étranger. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des voitures. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation terrible de désindustrialisation. Alors ça, c'est la conséquence de quoi ? C'est toujours pareil. D'abord, ces institutions qui peuvent fonctionner même sans le peuple et des politiques qui se sont finalement éloignées des intérêts vitaux et de l'intérêt général et en particulier l'intérêt des travailleurs français. Quelle était l'idée ? C'était le libre-échange. C'était finalement le fait que on va délocaliser dans d'autres secteurs de la planète, non pas parce que le climat y est meilleur, non pas parce que la vie y est plus douce, non pas parce que les travailleurs sont moins bien traités, mais en général, c'était tout l'inverse. Il y a donc eu une politique de délocalisation, de fermeture d'usines pour les implanter dans d'autres secteurs afin d'aller uniquement vers la recherche du profit. La réponse que nous proposons, nous aussi, mais mes camarades y viendront dans leurs propos, c'est aussi de mettre en place une politique de protectionnisme, disons-le simplement, protectionnisme écologique, protectionnisme social. La question, souvent derrière ces mots qui sont vus, et parce que les batailles sémantiques ont toujours leur importance, comme si c'était quelque chose de négatif et de fermé, mais c'est tout simplement le fait de refuser que notamment notre industrie soit mise en concurrence avec d'autres lieux de production où les travailleurs sont moins payés, où les organisations syndicales ne sont pas respectées. Voilà parmi les propositions que nous faisons. Et bien sûr aussi de défendre un projet, et Emmanuel Bompard reviendra sans doute dans nos propositions écologiques, non seulement de réindustrialisation, mais d'une industrie qui ne soit une industrie qui ne détruit pas la planète. Et quand nous avons de grandes propositions, notamment écologiques, c'est évidemment aussi sur la base d'un modèle productif qui n'épuise pas la planète, mais qui participe au fait de sortir de ce modèle productif qui la détruit. Voilà les amis, j'ai à peu près tenu mon temps. Donc je répète, s'il y a au moins une raison de voter Jean-Luc Mélenchon, et il y en a 694 en vérité, et Manu Bompard va parler, il est convaincant, et Manon Aubry va prendre la parole immédiatement après moi, et elle est sacrément convaincante. Mais si vous ne partagez pas totalement ce qu'ils vont dire, retenez au moins cette idée. Le seul candidat qui vous propose d'être le dernier président de la Ve République, qui vous dit que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous propose qu'ensemble, nous créons les conditions de réunir une assemblée constituante pour que le peuple rédige de nouvelles institutions dans lesquelles son droit comme peuple de rester souverain, de rester dans le contrôle des décisions qui sont prises, le seul candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça fait au moins une sacrée bonne raison de voter pour lui et de vous mobiliser pour qu'on soit le plus nombreux possible à le faire. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'en suis d'autant plus ravie que j'ai le sentiment qu'à chaque étape politique, Nantes est toujours une ville importante. Je me souviens être venue, il y en avait peut-être ici dans cette salle, lors des élections européennes, puis lors des élections municipales, notamment pour soutenir Nantes en commun. Et je suis ravie d'être là ce soir. Et je crois qu'il ne faut pas sous-mesurer. Alors, je ne vous vois pas bien dans la salle, mais j'ai l'impression que là-bas, en tout cas vers l'entrée, il y a vraiment beaucoup de monde. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et je pense que ce n'est pas rien du tout. Je ne sais pas si vous le mesurez. On est aujourd'hui à près de 5 mois de cette élection présidentielle.
On a une première chose, vous allez me dire, c'est assez rare dans les temps qui courent, un programme. On a une stratégie, on aura l'occasion d'y revenir, qui est l'Union populaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est la seule force politique en capacité d'organiser des meetings aux quatre coins de la France, sans même son candidat. Et c'est peut-être l'illustration que faisait Alexis. Quand on vous parle de partage du pouvoir, quand on vous parle d'autres façons d'exercer le pouvoir politique, vous en avez la démonstration. Vous avez devant vous une équipe. Non, ce n'est pas une guerre d'ego. Ce que nous faisons, c'est la défense d'un programme. Ce que nous faisons, c'est la défense du partage des richesses, du partage du pouvoir, de la planification écologique. Et ce n'est pas une guerre d'ego. Vous avez une équipe qui est prête à la défendre. Et ce que vous faites aujourd'hui, d'être là aussi nombreux, arrosés, même pas à Nantes même, arrosés, c'est déjà un premier pas politique et je crois qu'il faut le mesurer. Donc merci à vous tous d'être présents ici. Alors on est d'abord là ici pour faire évidemment le bilan d'Emmanuel Macron. Alexis a commencé à en parler un petit peu. Le bilan d'Emmanuel Macron, quand on atteint les 10 millions de pauvres, un seuil assez fatidique, qu'une personne sur 6 quasiment dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. En revanche, il y en a pour qui ça va bien. Vous savez, la théorie du ruissellement pour Emmanuel Macron, ça a un peu l'effet inverse. Et c'est un peu l'inverse de la gravité peut-être. Mais dans le même temps, on compte 10 millions de pauvres dans notre pays. La fortune des 500 plus riches en France a été multipliée par 2. Et si on prend juste l'année qui vient de s'écouler, c'est plus 30%. 30% pour les milliardaires de notre pays. Imaginez seulement si vous, votre patrimoine à vous, votre salaire avait augmenté à la même vitesse. Et ça, ça ne vient pas de nulle part. Évidemment que c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Mais pour finir ce panorama, je pourrais parler aussi de Bernard Arnault. Alors c'est notre grand copain, Bernard Arnault. Bernard Arnault, il gagne en 6 secondes, ce qu'un travailleur gagne en une année entière. Imaginez, alors 6 secondes, on peut le faire ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous venez de gagner l'équivalent d'une année de salaire. Et ça, même, je sais que 6 secondes, ça peut être un effort intense, y compris pour Bernard Arnault, peut-être est-il si brillant, sait-on jamais. Bon, j'avoue que j'ai quelques doutes personnellement, mais 6 secondes, c'est vrai que même Usain Bolt, lui, il a besoin d'un peu plus pour justifier son statut. Si ma mémoire est bonne, on est autour de 10 secondes au 100 mètres, et un peu moins maintenant, mince, on me fait signe que j'ai un peu de retard sur les records du 100 mètres. Mais vous le voyez, même quand on a des compétences, peut-être un génie hors du commun, bon, j'invite aussi Bernard Arnault et tous nos chers milliardaires, eux, à aller faire une journée de travail, je sais pas, une année, on a peut-être des serveurs dans la salle, on a peut-être des caissiers dans la salle, une journée seulement de travail et on verra après s'ils sentent la difficulté de ces emplois. Et donc, on a une société, après 5 ans d'Emmanuel Macron, où on a une toute petite poignée d'individus qui se sont enrichis au détriment de la vaste majorité des plus pauvres. Quand on a dans le même temps des 10 millions de pauvres, 8 millions qui dépendent de l'aide alimentaire, près de 6 millions de chômeurs dans notre pays. Et évidemment, on a tous vu ces images, notamment d'une jeunesse qui a été abandonnée et qui fait la queue dans la 6e plus grande puissance économique mondiale, qui fait la queue juste pour se nourrir, juste pour bouffer. Et dans le même temps, on a ces milliardaires qui continuent de s'engraisser. On a le CAC 40 qui a versé une somme record de dividendes cette année. 51 milliards d'euros. C'est le chiffre le plus élevé depuis la dernière crise financière. Vous le voyez quand on dit que c'est pas la crise pour tout le monde. Il y en a pour qui ça n'a absolument pas été la crise pendant ce quinquennat. Et ça, c'est le résultat direct des cadeaux fiscaux effectués par Emmanuel Macron. Ces cadeaux qui sont sans précédent. L'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax, rien que ça, c'est 5 milliards par an. J'étais sur un plateau il y a quelques jours, j'étais face à Jean-Marie Le Guen, pour ceux qui se souviennent de lui, parce que ça fait partie des vieux éléphants.
Il était au Parti Socialiste, je crois qu'après il a soutenu Macron. Bon, quelques-uns qui ont perdu leur boussole politique, après ils s'étonnent qu'on ne saute pas les pieds joints pour aller les soutenir dans une primaire. Dans une primaire. Mais c'était pas là où je voulais en venir, là je commence à digresser. Donc j'étais face à ce cher Jean-Marie Le Guen qui me dit, mais on parlait de la lutte contre les violences faites aux femmes, et il me disait... 1 milliard d'euros, vous rendez pas compte, 1 milliard d'euros, mais ce chiffre il sort de n'importe où, on sort pas comme ça 1 milliard d'euros. C'est vrai que je lui ai dit, mais pardon. Premièrement, 1 milliard d'euros, oui, c'est ce que disent absolument toutes les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, qui toutes disent, oui, c'est possible de mettre les moyens, notamment pour protéger les femmes, pour s'assurer qu'elles aient des places d'hébergement quand elles portent plainte, puisque seulement 40% d'entre elles y ont accès. Pour protéger les femmes aussi, pour s'assurer de les mettre à l'abri, de leur donner aussi de quoi survivre financièrement. Bref, faire en sorte de mettre un terme définitif aux plus de 100 féminicides que nous avons vécus dans l'année. Et quand je lui ai dit à ce cher Jean-Marie Le Guen, vous savez, au final, 1 milliard d'euros, ce n'est qu'un tiers de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc c'est ce choix qu'a fait le gouvernement et Emmanuel Macron de faire des cadeaux aux plus riches plutôt que de lutter contre les violences faites aux femmes. J'ai pris volontairement cet exemple parce que, évidemment, on pourrait financer énormément de choses. Et c'est le choix d'ailleurs qu'avait fait l'Espagne d'investir massivement contre les violences faites aux femmes. Et ça a eu un impact direct puisque le nombre de féminicides a été drastiquement réduit. Et peut-être aussi, ça illustre au passage pour ce cher ancien cadre du Parti Socialiste, la déconnexion avec les mouvements sociaux, avec les mobilisations sociales. Et moi, je le dis... Et c'est aussi pour revenir à notre programme. Je suis extrêmement fière que nos 694 propositions, dans lesquelles vous retrouvez à la fois le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et à la fois ce milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, je suis fière qu'ils se nourrissent de toutes les richesses de notre société, du travail des associations, des syndicats. Et je suis fière, oui, qu'on soit en connexion avec celles et ceux qui ont mobilisé la société pendant ces 5 dernières années. Oui, le programme de l'avenir en commun, c'est aussi le programme des Gilets jaunes, de ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexistes et sexuelles, de ceux qui se sont mobilisés dans les marches climat, de ceux qui se sont mobilisés aussi dans les mobilisations contre les retraites. Et donc, pour finir, sur Macron, ce cher président des riches, il a tenté de nous faire croire il y a quelques semaines dans une terrible opération de communication dont seul le gouvernement a le secret. Il nous a dit, mais si, je vous jure, le pouvoir d'achat, il a vraiment augmenté. Bon, déjà, quand il vous dit ça, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre d'entre vous, vous avez regardé votre compte en banque ou votre porte-monnaie, vous vous êtes dit, bon, je suis pas sûre. Et la réalité, c'est que oui, le pouvoir d'achat a augmenté pour une toute petite minorité. Les 5% de ménages les plus pauvres, les 0,1% les plus riches, ont gagné, eux, en moyenne, plus de 4%, soit 4 500 euros. Je pense que si on vous donnait tous à la sortie de cette salle un petit pactole de 4 500 euros, bon, déjà, vous serez certainement plus nombreux à être venus, mais en plus, évidemment, que vous le prendriez. Et à l'inverse, les 5% de ménages les plus pauvres, eux, ont perdu 0,5%. De pouvoir d'achat. Quoi qu'on dise, les chiffres ne mentent pas, y compris un rapport de France Stratégie qui est, lui, rattaché à Matignon, au Premier ministre, le dit très clairement. L'ensemble des politiques fiscales menées par ce gouvernement a été au profit d'une toute petite minorité de la population. Et nous, quand nous viendrons en 2022, oui, nous rétablirons l'impôt de solidarité sur la fortune, oui, nous abolirons la flat tax. Et oui, nous serons en capacité de réduire drastiquement les inégalités. Alors, je pourrais parler longuement d'Emmanuel Macron, parce que ça me prendrait une heure de faire son procès en entier, mais je veux quand même dire un mot de ceux qui agitent sans cesse les peurs. Alexis en a dit un mot, ce serait la faute de l'immigré si on perd notre emploi. Et puis de ceux qui n'ont pas grand-chose aussi à dire sur le partage des richesses. Parce que Éric Zemmour, Marine Le Pen, quand vous grattez un petit peu le vernis, en réalité, ce sont des Emmanuel Macron qui se cachent quand on parle des politiques économiques et sociales. C'est le portrait de Macron craché. Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, sont contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, ne sont pas pour l'augmentation du SMIC.
Marine Le Pen comme Éric Zemmour, ou d'ailleurs je pourrais dire Marine Zemmour ou Éric Le Pen, eux aussi sont pour qu'on travaille tous plus longuement. Ils sont contre plus de progressivité dans l'impôt. Bref, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont les autres candidats du CAC 40, du MEDEF et des milliardaires dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'a voulu essayer de démontrer Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu. Alors on nous a dit qu'il fallait pas débattre avec Éric Zemmour. Bon, on est désolé, c'est pas nous qui avons créé ce monstre. Je pense que certains médias qui d'ailleurs là commencent à se morfondre en disant « Mince, Éric Zemmour risque d'être élu ». Bah oui, enfin, quand vous lui donnez une libre antenne pendant sans contradicteur pendant des années entières, c'est évident qu'à la fin, vous donnez de l'écho à ce discours-là. Et donc, on a les journalistes qui se disent « Ah mince, c'est vrai, Éric Zemmour, maintenant, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, etc. » Mais Marine Le Pen comme Éric Zemmour, on voit dès qu'on fait un débat contre eux, et ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez peut-être vu, en réalité, on voit que la seule réponse qu'ils ont aux problèmes du quotidien, c'est de nommer et pointer du doigt le musulman, l'immigré, comme s'ils étaient le problème à absolument toutes les questions que se pose la société. Pourtant, quand on regarde, alors quand vous faites, vous êtes peut-être, il y a, je pense, un bon nombre de militants dans cette salle, quand vous faites ici du porte-à-porte à Rezé, ou même quand on voit les enquêtes d'opinion, il est clair que la question principale, la première préoccupation des Français, c'est celle du pouvoir d'achat. C'est celle de comment finir les fins de mois. Comment on va réussir à payer la scolarité de nos enfants? Comment on va s'assurer peut-être même, allez, qui sait, un petit peu de détente? Peut-être même de s'offrir peut-être d'aller au cinéma, enfin tant qu'ils sont ouverts. Souhaitons qu'ils soient ouverts le plus longtemps possible. Et donc, on en arrive à une société aujourd'hui où on n'arrive même plus à pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Et le seul débat qui porte aujourd'hui dans les médias est de savoir, espèce de concours Lépine de la droite et l'extrême droite, si vous avez regardé, alors perdez pas votre temps si vous ne l'avez pas fait, mais on l'a fait pour vous, les débats des primaires, de la primaire à droite. Bon, finalement, on avait une forme de concours Lépine qui a été remporté par notre chère Valérie Pécresse, mais qui aurait pu être remporté par un autre. Et le débat, c'était... combien de personnes exactement on va mettre dans le charter et quel sera le mode de transport pour évacuer les immigrés à l'autre bout de la planète ou au moins à l'autre bout de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est la seule réponse qu'ils ont à apporter. Pourtant, quand on voit de quoi est le nom l'extrême droite, si on veut savoir à quoi ça ressemble, il suffit d'aller regarder pas très loin de chez nous, dans l'Union européenne. Les amis de Madame Le Pen et les amis de Monsieur Zemmour. Vous croyez qu'ils répondent à cette préoccupation du pouvoir d'achat dans tous les pays où ils gouvernent? Regardez en Hongrie et en Pologne. C'est la remise en cause de l'état de droit. C'est la remise en cause de l'indépendance de la justice. C'est la remise en cause de l'indépendance des médias. C'est la remise en cause du droit à l'avortement. Voilà aujourd'hui de quoi est le nom l'extrême droite. Jamais, jamais, et souvenez-vous-en, jamais ils ne défendront les libertés individuelles. Et toujours ils seront du côté du patronat et des plus riches. Emmanuel Macron et Éric Zemmour et Marine Le Pen, d'un point de vue économique et social, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, un certain nombre de médias ne citeront pas. Celles et ceux qui ont fait depuis des années la courte échelle à l'extrême droite savent à quel point ils servent leurs intérêts. Et c'est pour ça, les amis, c'est pour ça qu'en face, on a besoin d'un bloc populaire, de celui qui défend le partage des richesses, qui dit qu'aujourd'hui, on peut partager mieux les richesses dans notre société, que ce n'est pas une fatalité qu'1% des plus riches dans notre monde possèdent la moitié des richesses. Oui, nous pouvons limiter les écarts de salaire au sein des entreprises de 1 à 20. Oui, nous pouvons rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Et non, les inégalités ne sont pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à vivre avec plus de 10 millions de pauvres dans notre pays. Je veux dire un dernier mot sur cette question du partage des richesses, sur un sujet, pour ceux qui me connaissent un peu, qui me tient à cœur, sur la lutte contre l'évasion fiscale. Sur la lutte contre l'évasion fiscale, c'est un peu comme sur la lutte contre le changement climatique.
J'ai le sentiment, et pour avoir mené la bataille dans le secteur associatif, qu'on a gagné la bataille des idées. Tout le monde reconnaît que oui, c'est vrai, l'évasion fiscale, c'est mal, ça coûte de l'argent, c'est normal que tout le monde paye ses impôts, très bien. Mais après, dès qu'il s'agit d'agir politiquement, on voit les limites et surtout, on voit de quel côté politiquement se situent nos dirigeants actuels. Il y a une anecdote qui ne trompe pas que je voulais vous raconter, pour certains d'entre nous la connaissent peut-être. Au niveau européen, dans les négociations que nous menons pour une mesure importante de lutte contre l'évasion fiscale, qu'il s'agit de transparence, donc savoir enfin combien Amazon, Google et autres McDonald's ou Total payent d'impôts dans chaque pays où ils sont présents, c'est une négociation qu'on mène depuis des années et une bataille qui était en train de s'achever au niveau européen. Et au dernier moment, dans les négociations, un État membre, devinez lequel, la France, a quasiment bloqué toutes les négociations en disant « Non, non, mais ça risque de nuire à la compétitivité des entreprises, faut restreindre le champ géographique d'application. » Et en fait, on a découvert que le document de positionnement qui était celui de la France dans le cadre de ces négociations, il avait été écrit mot pour mot par le MEDEF. Mot pour mot par le MEDEF. Ça en dit long aujourd'hui sur le rôle et l'influence que joue le MEDEF dans les politiques économiques de notre pays. Eh bien, moi, je vous fais une promesse. Avec Jean-Luc Mélenchon et demain au pouvoir en 2022, oui, nous scellerons définitivement le divorce des intérêts entre le MEDEF et notre gouvernement. Et même, nous ferons une fête pour ça. Alors, pour terminer, pendant que Emmanuel Macron, lui, fait campagne aux frais de l'État, alors jusqu'à présent, il a organisé un certain nombre de conférences de presse ou d'allocutions où on s'attendait tous à des annonces sanitaires et puis on n'en a pas eu en 3 minutes. Et puis pendant 20 minutes, il vante à quel point sa politique était formidable ces 5 dernières années. On a eu un autre épisode assez évocateur, pas plus tard qu'hier, durant lequel Emmanuel Macron devait présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne, ce qui n'est pas rien, au passage, ça n'arrive qu'une fois tous les 14 ans. Et donc, non content de se servir des moyens de l'État, Emmanuel Macron va aussi se servir des moyens de l'Union européenne en faisant de cette présidence française de l'Union européenne le marchepied de sa campagne électorale, alors, et je le dis en passant, qu'il aurait pu décaler la présidence française de l'Union européenne. Mais non, vous allez avoir Emmanuel Macron qui va parcourir le pays à travers plus de 400 événements pour dire à quel point sa vision de l'Union européenne est formidable. Au passage, hein, austérité, libre-échange, vous reprendrez bien un petit traité de libre-échange par-ci, une petite mesure austéritaire par-là, et puis vive le marché carbone et le marché de l'énergie. C'est formidable, ça a bien marché. D'ailleurs, on a vu, hein, vos factures d'électricité et de gaz ont baissé, vous l'avez tous constaté. Et donc, pendant qu'Emmanuel Macron, lui, fait campagne aux frais de l'État, pendant que la droite et l'extrême droite se lancent dans ce petit concours Lépine de combien de musulmans ou d'étrangers il faut cibler ou exclure de notre pays, pendant que d'autres font une petite course de petits chevaux pour savoir qui sauvera le plus de députés à l'Assemblée nationale, nous, on s'est lancé dans un défi. Vous allez me dire, il n'est pas facile, mais c'est quand même un défi. C'est celui de se dire, peut-être, oui, c'est vrai, il y a un trou de souris. Mais que ce trou de souris, il existe. Quand on regarde l'ensemble des propositions que nous avons mentionnées ce soir, Alexis a parlé de la 6e République. Quand je vous parle du partage des richesses, du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la mise en place de l'impôt universel pour reprendre ce qui est caché dans les paradis fiscaux, quand on vous parle de la planification écologique, ces idées, soyez-en sûrs les amis, elles sont majoritaires dans le pays. Oui, demain, elles peuvent emporter l'adhésion. Le défi qui est le nôtre, et de pouvoir mobiliser autour de ces idées. Et donc, c'est vrai, pour ça, on a ce programme, cette chose assez rare. Alors rassurez-vous, ce n'est pas une Bible, comme pensent certains, on est bien trop laïque pour le prendre comme une Bible, mais c'est le fruit d'un travail collectif, évolutif, et qui permette d'avoir un vrai débat démocratique. Et c'est ça qu'on doit avoir dans les 5 prochains mois. C'est le défi qu'on a aujourd'hui. À tous ceux qui vont hésiter à aller voter tout court ou qui vont hésiter entre les différents candidats. Rappelez-leur aujourd'hui à la fois quel est notre bilan, mais aussi quelles sont nos propositions phares pour cette élection. Vous dire que nous ne sommes pas condamnés à vivre ce duo entre la droite et l'extrême droite, entre l'extrême marché
et l'extrême droite, qui sont les deux faces d'une même pièce. Oui, nous pouvons aujourd'hui créer l'alternative. C'est le pari que nous faisons. Alors certes, il est un peu old school, comme on dirait, d'aller faire campagne sur les marchés, d'essayer d'aller convaincre les gens et d'appeler à la mobilisation populaire. Mais aujourd'hui, le premier obstacle que nous avons, c'est justement cette résignation. Et cette résignation, on peut la combattre en montrant qu'on a justement un programme qui répond aux préoccupations des gens. Que oui, avec nous, le SMIC augmentera à 1 400 €. Que oui, les Bernard Arnault et tous leurs petits copains, ils rendront enfin l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux. Oui, tout cela est possible, mais pour ça, on a besoin d'une mobilisation la plus large. Et c'est le défi qui est le nôtre pendant 5 mois. On est aujourd'hui dans cette salle, plus de 250, et on a poussé les murs. Donnons-nous à un défi. Quand on reviendra d'ici la fin de la campagne présidentielle, parce que je suis sûre qu'il y aura une occasion de revenir ici, à Nantes, ou autour, à Rosé, ou dans les alentours. Soyons encore plus nombreux, parce que vous êtes toutes et tous aujourd'hui celles et ceux qui peuvent convaincre. Évidemment, Alexis, Manu et moi, on va se déployer dans tout le pays. Mais aujourd'hui, cette victoire, elle pourra être faite uniquement grâce à la mobilisation de chacune et de chacun dans cette salle. Et croyez-le, oui, nos idées sont majoritaires dans le pays, et oui, nous avons la capacité de remporter cette élection. Nous ne jouerons pas à cette course de petits chevaux, mais nous sommes là parce que nous avons la conviction que nous pouvons l'emporter et que nous pouvons aller chercher l'ensemble des classes populaires pour cela. Et je le dis à tous ceux ici dans cette salle qui n'étaient pas à la France insoumise. On n'a pas besoin d'un badge de la France insoumise pour faire campagne. Quand moi, je suis arrivée à la France insoumise pour les élections européennes en 2019, je n'avais jamais mis les pieds dans un meeting politique. Aurélie Trouvé, qui préside notre Parlement de l'Union populaire que nous avons lancé ce week-end, c'est la même chose. Et toutes celles et tous ceux qui sont à leur côté, Annie Ernaux, les syndicalistes, l'ancien président de la FCPE, l'ancien secrétaire national du Secours populaire, quand je vous dis que notre campagne puisse dans la richesse des mouvements sociaux, des mouvements artistiques, des mouvements culturels, vous en avez la démonstration. Et aujourd'hui, si l'Union ne s'est pas faite au sommet, alors elle se fait à la base avec toutes celles et tous ceux qui apportent la richesse de leur combat et qui, j'espère, demain nous permettront d'aller gagner. Ce qui me donne la transition et la place à laisser à notre cher directeur de campagne, Manuel Bompard, qui, j'espère, achèvera de vous convaincre de mener la campagne avec nous. Bravo. Merci. Merci Manon, merci Alexis. Je vais espérer achever de vous convaincre et pas vous achever, même si je vois que vous êtes nombreuses, nombreux. Franchement, ça fait plaisir de voir ce soir autant de monde ici. Et ça donne le sentiment que cette campagne présidentielle, elle commence vraiment à commencer. Elle a mis du temps, mais on sent que depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, en ce qui nous concerne, nous, peut-être depuis la sortie du programme, dont les chiffres ont été donnés tout à l'heure, on sent qu'il y a une accélération dans cette campagne. Et c'est important parce que cette élection, c'est une élection qui va être décisive et capitale. Alexis a parlé d'urgence démocratique. Alexis a parlé d'urgence sociale. Manon a parlé de partage des richesses, de l'explosion incroyable des inégalités sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je voudrais vous parler d'une autre urgence, parce qu'elle est décisive, parce que c'est sans doute l'urgence dont dépendent toutes les autres, c'est l'urgence climatique et environnementale. On peut bien sûr avoir des longs débats sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre démocratie, et il y a beaucoup de choses à faire. On pourrait avoir des longs débats sur comment il faudrait mieux partager les richesses, comment mieux protéger les salariés dans notre pays, comment faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir 8 millions de personnes qui aient besoin de l'aide alimentaire pour vivre dans notre pays. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, ces débats-là, ils sont annexes si on ne répond pas à la question centrale qui est de savoir si l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui rend toujours la vie humaine possible dans 50 ans ou dans 100 ans. Et donc cette élection présidentielle-là, elle doit mettre au cœur du débat cette question-là, parce qu'il y a urgence sur le sujet. Parce que pendant un temps, il y avait des débats entre les scientifiques. Certains disaient, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement qui est dû à l'activité humaine ou pas. Mais plus personne ne conteste ça, à part quelques illuminés d'extrême droite, ou M. Zemmour qui, sur un plateau de télé, dit « Je n'ai pas les connaissances scientifiques pour savoir si oui ou non c'est l'activité humaine qui est responsable du réchauffement climatique ». Pourtant, il y a une unanimité scientifique sur le sujet.
Il y a le GIEC, le Groupement international des experts sur le climat, qui dit, au rythme actuel où on va, on est sur une trajectoire qui va à peu près vers 2,5 degrés de réchauffement climatique. Quand on parle de ça, c'est 2,5 degrés de réchauffement climatique par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire dans les années 1850-1900. On a des accords de Paris qu'on a signés, nous, la France, qui disent qu'il faut faire le maximum pour essayer de limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Mais on est toujours sur une trajectoire de 2,5, 2,6, 2,7. Il semble qu'après la dernière COP qui a eu lieu à Glasgow, la conférence internationale, on ait réussi à ramener les trajectoires des différents États vers une trajectoire à 2,4 degrés. On a gagné 0,3 degrés. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, par exemple, 1,5 degré, qui est l'objectif des accords de Paris, ou 2 degrés, ça a des conséquences qui sont des conséquences extrêmement claires. 2 degrés, c'est des vagues de chaleur mortelles chaque année. 1,5 degré, ben, les vagues de chaleur se généralisent. Il y en a plus qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais ce n'est pas des vagues de chaleur mortelles chaque année. 2 degrés, c'est 61 millions de personnes qui sont de plus qui sont exposées à des sécheresses graves. 2 degrés, c'est 500 millions de personnes qui sont exposées à une pénurie d'eau, alors qu'1,5 degré, c'est seulement 250 millions. 2 degrés, c'est 10 cm de plus de montée des eaux par rapport à 1,5 degré. 2 degrés, c'est 99% des coraux qui disparaissent dans la mer et dans l'océan. 2 degrés, c'est 2 fois plus d'insectes et 3 fois plus de plantes qui sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. C'est de ça dont on parle. Donc on peut passer toute la campagne présidentielle à savoir si on a le droit de s'appeler Mohamed, Jérôme, Jean-Luc, Jean-Claude, Manon, Alexis, où on peut poser enfin les questions qui sont les questions centrales, de savoir si oui ou non le gouvernement, le pouvoir qui va être en place en France à partir de l'année 2022 va mettre en place la bifurcation écologique indispensable pour que la planète sur laquelle on vit aujourd'hui puisse permettre de vivre encore demain, ou si on va continuer comme ça a été fait dans les 5 dernières années. C'est ça la question centrale de l'élection présidentielle. Et je pourrais dire autre chose, j'ai parlé climatique, parce que souvent on dit qu'il y a urgence écologique, mais il y a 2 urgences écologiques. Il y a la question climatique, je viens d'en parler, mais il y a une autre question dont on parle moins, qui est la question environnementale, de la biodiversité. Il y a un autre organisme international, ça s'appelle l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC sur la biodiversité. Ils disent quoi ? Ils disent, sur les 8 millions d'espèces qui sont recensées dans le monde, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies. Ça, c'est la réalité de l'urgence. Et face à ça, on a un président de la République, Emmanuel Macron, autoproclamé champion de la Terre. Vous vous rappelez, après son élection, vous allez voir ce que vous allez voir avec moi. Emmanuel Macron, ça va changer. Mais qui, à la fin de son mandat, n'est plus le champion de la Terre. À la fin de son mandat, Emmanuel Macron, c'est un délinquant climatique. Parce qu'il a été condamné, parce que la France a été condamnée pour inaction en matière écologique et en matière climatique. Et quand il y a cette urgence de la situation, est-ce que vous pensez qu'on va continuer pendant 5 ans à continuer avec un délinquant climatique à la tête de l'État ? Est-ce que c'est ça qu'on va faire ? Ou est-ce qu'on va organiser cette bifurcation ? Le bilan d'Emmanuel Macron en matière écologique, il est aussi désastreux que le bilan d'Emmanuel Macron en termes de partage des richesses, en termes social. Alexis et Manon en ont parlé. Je ne peux pas tout lister, parce que sinon, franchement, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps. Mais il y a le journal Reporter. Vous connaissez le journal Reporter. Ils ont fait un travail qui est parfait. Ils ont un travail très sérieux. Ils ont analysé les 169 mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui sont relatives à la question écologique. Ils disent sur ces 169 mesures prises depuis 2017 en lien avec l'écologie, 89 sont négatives pour l'écologie, c'est 53% des mesures. 41 sont neutres pour l'écologie, c'est 24% des mesures. 39 sont positives pour l'écologie, c'est 23% des mesures. Voilà la réalité du bilan. Vous voulez savoir ce que ça veut dire ? Emmanuel Macron, c'est l'homme qui, quand il n'arrive pas à respecter les objectifs en matière climatique, les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs initiaux de la France, c'était moins 2,3% d'émissions de gaz à effet de serre par an. Bah lui, comme il n'arrivait pas à les respecter, bah il les a changés.
Il a dit, ben, maintenant, l'objectif, ça va être de baisser de 1,5% les émissions de gaz à effet de serre chaque année. Puis après, il a pu dire, nous avons respecté nos objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron, c'est les suppressions des aides au maintien de l'agriculture biologique. Emmanuel Macron, c'est la réautorisation des néonicotinoïdes. Emmanuel Macron, c'est le refus d'instaurer une véritable distance entre les champs où on étend des pesticides et les habitations et les lieux où habitent les citoyens. Emmanuel Macron, c'est plutôt que d'avoir des mesures pour l'agriculture paysanne, écologique, dont je vais parler tout à l'heure, c'est la mise en place d'une cellule qui s'appelle Déméter, qui est censée être une cellule pour lutter contre l'agribashing, qui en fait poursuit les militants, par exemple, qui se battent pour la condition animale ou pour l'agriculture paysanne. C'est ça Emmanuel Macron aujourd'hui. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui, le 17 novembre 2017, disait « Le glyphosate sera interdit au plus tard dans 3 ans ». Et puis qui, en 2019, qui disait « Je ne peux pas interdire le glyphosate parce que ce n'est pas faisable ». Emmanuel Macron, c'est l'homme qui disait « Je ne construirai pas de nouvelles centrales nucléaires pendant sa campagne électorale ». Et qui annonce maintenant qu'il va fabriquer 6 nouveaux EPR. Et engager un plan de construction de mini-centrales nucléaires, parce que vous comprenez, les gens ne veulent pas d'éoliennes. Donc vous allez leur dire, bah, vous ne voulez pas d'éoliennes à côté de chez vous, on comprend. Bah, là, on va vous mettre une petite centrale nucléaire. Et je pense qu'ils vont être ravis. Emmanuel Macron, c'est le retard de 20% par rapport à l'objectif de 2018 sur la progression des énergies renouvelables. C'est le report de la part du nucléaire. On devait descendre à 50% d'ici en 2025. On a reporté l'objectif à 50% d'ici à 2035. C'est le refus d'interdire les chasses cruelles. C'est le refus d'interdire la chasse contre les espèces vulnérables, malgré les consignes de l'Union européenne sur ce sujet, pour une fois que l'Union européenne disait quelque chose de bien. Emmanuel Macron, c'est tout ça. C'est aussi quelqu'un qui vient vous dire... On ne pourra plus avoir la même politique commerciale internationale, mais qui organise la ratification du traité de libre-échange avec le Canada, le jour même où il invite Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, pour montrer quand même la cohérence du « et en même temps macroniste » en matière écologique. Alors je ne vais pas passer notre échange à parler d'Emmanuel Macron, mais je crois que c'est important parce que c'est quand même un grand communicant, notre président de la République. Et donc, il va venir dans cette campagne vous dire que c'est le président de l'Europe qui va tout changer. Et puis, il va venir aussi vous dire que qu'il organise des sommets internationaux chaque année, que c'est le champion de la Terre, que par rapport aux autres, grâce à lui, la France a été à l'avant-garde de la transition écologique. Donc, il faut avoir ces éléments pour parler de ce sujet, parce que sinon, le rouleau compresseur médiatique sur le sujet va se déclencher. Et il y a besoin d'une voix forte en matière sociale, bien sûr, en matière démocratique, bien sûr. Mais il y a besoin d'une voix forte aussi en matière écologique. Maintenant, tout le monde va dire, dans la période actuelle, je suis écologiste, mon programme est écologiste. Pourquoi pas ? Je pense sincèrement qu'on peut dire que tout le monde est sans doute maintenant sensibilisé à la question. Maintenant, ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la manière avec laquelle on compte répondre à cette urgence climatique et environnementale. Il y a ceux qui nient le problème, c'est l'extrême droite, qui, à chaque fois que vous posez une question à M. Zemmour ou à Mme Le Pen sur la question écologique, a dit « Ouais, mais ça, c'est pas très important, moi, je veux parler d'autre chose. » Ou pire encore, comme M. Zemmour, donc après avoir dit qu'il n'était pas sûr que finalement c'était le cas, qui a réussi quand même à lier écologie et racisme, donc parce que le problème de l'écologie, c'est l'Afrique. Il l'a dit, hein, le problème, c'est la démographie en Afrique, voilà, c'est notre problème écologique. Oubliant par là même que, en gros, l'Afrique, c'est responsable aujourd'hui de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que la France seule, c'est 1%. Donc vous voyez, c'est pas seulement horrible, c'est qu'en plus, c'est une ânerie. Et puis, il y a ceux qui pensent que c'est le marché qui va tout régler. Ça, c'est Emmanuel Macron. Il pense que la puissance publique, elle a rien à faire dans cette histoire. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de marché, c'est ce qui existe au niveau européen. On a des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et puis chaque année, on les utilise, et quand on ne les utilise pas, on le vend à quelqu'un d'autre, et puis ça permet de faire de la spéculation sur le sujet. Ça a été un échec, ça a été démontré, il y a plein de rapports qui montrent que le marché carbone européen n'a pas du tout rempli ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a ceux comme nous qui pensent que non, la puissance publique, elle a un rôle à jouer sur le sujet, qu'il faut organiser la planification écologique, qu'il faut mettre des objectifs, qu'il faut organiser en profondeur une bifurcation, une modification de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes d'échange,
qu'il faut rétablir du temps long dans le monde politique qui est souvent guidé par la question du temps court, qu'il faut introduire dans la Constitution ce qu'on appelle la règle verte, c'est-à-dire le fait de dire qu'on ne prend pas davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer chaque année. C'est-à-dire ramener nos modes de vie dans les limites planétaires. C'est ça la question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Planification écologique, règle verte, pour ensuite se fixer des objectifs et organiser toutes les politiques publiques pour aller en direction de ces objectifs. Exemple d'objectif. Je sais que ça fait débat, mais on l'assume. Nous, on dit qu'il faut fixer un objectif, c'est 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Et c'est possible de le faire, ce n'est pas juste un objectif en l'air comme ça. Il y a des rapports très sérieux, nous on s'appuie sur le rapport Négawatt, qui dit que c'est possible d'arriver à faire 100% d'énergie renouvelable en 2050. Personne ne va vous dire que c'est facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Ça s'appuie sur trois piliers, de l'efficacité énergétique, donc il faut avoir davantage, par exemple, de rénovation thermique des bâtiments, de fin des passoires thermiques. Dans le programme, on fixe un objectif de 700 000 logements qui sont rénovés chaque année. Au rythme actuel où on est sur la rénovation thermique des logements, on a besoin de 100 ans pour rénover l'ensemble du parc immobilier. Il faut aller beaucoup plus vite. Nous, on fixe un objectif de 700 000 logements rénovés chaque année. Premier pilier, efficacité énergétique. Il y a trop de gaspillage, on peut faire mieux. Deuxième pilier, promotion des énergies renouvelables, bien évidemment. Alors quand on vous dit ça, oui, mais vous allez mettre des éoliennes partout. Bon, franchement, il n'y a pas que les éoliennes comme énergie renouvelable. D'abord, il y a des endroits, oui, où on peut mettre des éoliennes. Il y a des endroits où il ne faut pas en mettre. On n'est pas obligé d'être bête. Mais ensuite, il y a moyen de développer d'autres formes d'énergie renouvelable, des énergies marines, des énergies qui s'appuient sur la chaleur de la Terre. Il y a plein d'autres formes d'énergie. Et dans le travail de l'association Négawatt, il y a effectivement des éoliennes, il y a des panneaux solaires, mais il n'y a pas que ces deux types d'énergie-là. Et puis le troisième pilier, c'est la sobriété énergétique. Et la sobriété énergétique, c'est l'idée que oui, sur un certain nombre de sujets, il va falloir modifier nos modes de vie. Mais ça ne veut pas dire le faire brutalement, ça ne veut pas dire surtout le faire en faisant payer d'abord celles et ceux qui n'ont pas d'autres alternatives, par exemple, à utiliser leur voiture individuelle. Parce que sinon, vous allez demander à des gens qui ne peuvent pas faire autrement et qui ne sont pas les premiers responsables du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre d'en payer la facture. Ce n'est pas possible de faire comme ça. Donc, il faut avoir des politiques publiques qui permettent d'accompagner le changement de nos modes de vie. Donc, il faut réouvrir les petites gares et les petites lignes qui ont été fermées parce que sinon, oui, on prend sa voiture parce qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut mettre tous les camions sur les trains parce que c'est possible de le faire et parce que ça, c'est tout à fait possible de le faire. On peut le faire demain. Et là-dedans, il y a la question du nucléaire qui vient, et j'en dis deux mots parce qu'elle a été dans la campagne. Certains disent, oui, il y a eu un rapport qui a été fait par RTE qui montre que ce n'est pas possible de se passer du nucléaire. Ben, ce n'est pas vrai d'abord, parce que si les gens lisent ce rapport de RTE, il présente plusieurs scénarios, et il y a un scénario sans nucléaire, et il y a un scénario avec nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le scénario sans nucléaire coûte plus cher. Et sur cette base-là, tout le monde est venu voir et faire le tour des plateaux de télé en disant « Vous voyez, ce n'est pas possible un scénario sans nucléaire d'ici à 2050. » Bon, alors permettez-moi d'abord de dire que sur la question de l'estimation des coûts du nucléaire, je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui peut faire les malins parce qu'on parle d'un EPR qui n'est toujours pas terminé où la facture a été multipliée par 5 par rapport à ce qu'on avait estimé initialement. Donc moi, le coût du scénario RTE avec nucléaire, j'attends de voir à la fin combien ça aura coûté réellement et je ne m'appuie pas sur les estimations de maintenant. Mais même, à la limite, imaginons que ça coûte plus cher. Imaginons que ça coûte plus cher. Est-ce que c'est la seule question qui est posée? Est-ce qu'on ne peut pas être préoccupé par une autre question qui est la question de savoir si le nucléaire tel qu'il est aujourd'hui est suffisamment une énergie, suffisamment sécurisée pour qu'on ait envie de vivre encore avec pendant des décennies? Parce que c'est ça la question qui est à l'ordre du jour. Des fois, il y a des gens qui disent « Vous voulez abandonner le parc nucléaire ?» Ce n'est pas qu'on veut l'abandonner, c'est que le parc nucléaire, il est en fin de vie, là, dans les 10-15 années qui viennent. La question n'est pas de savoir si on l'abandonne ou pas. La question est de savoir si on met 100 à 150 milliards dans un programme qui s'appelle le grand carénage pour prolonger les durées de vie des centrales, ou est-ce qu'on ne le fait pas, ou est-ce qu'on le fait que sur certaines d'entre elles? C'est ça la question qui est posée. Eh bien, moi, j'assume et je dis que dans un pays dans lequel il y a déjà, dans une planète dans laquelle il y a déjà 1,1 degré de réchauffement climatique, qu'on va peut-être à 2 degrés, 2,5 degrés, qu'il va y avoir la hausse de niveau de la mer, qu'il y a des centrales qui vont se retrouver avec les pieds dans l'eau. Moi, j'assume de dire que quand on dit tous
qu'il faut des politiques non seulement de bifurcation écologique pour empêcher le changement climatique, mais aussi des politiques d'adaptation au changement climatique, parce qu'on ne pourra pas tous empêcher. J'assume de dire qu'une politique énergétique qui s'appuie sur du nucléaire, alors que la température va augmenter comme ça, ce n'est pas raisonnable et c'est dangereux. Voilà ce que je dis. Et personne ne vous dit que c'est facile. Personne ne vous dit que c'est facile. Oui, ça va être difficile. Eh bien, on va essayer de le faire. Donc, 100% d'énergie renouvelable, c'est un premier objectif qu'on peut se fixer et accomplir. Deuxième objectif, l'agriculture. Pareil, ce n'est pas de l'agribashing de parler de ça. Mais on n'est pas responsable du fait que notre modèle agricole, aujourd'hui, il est responsable à peu près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France et que c'est la première cause d'extinction de la biodiversité. C'est une réalité scientifique. Et il ne s'agit pas de dire que c'est de la faute de toutes les agricultrices ou de toutes les agricultrices ou de tous les agriculteurs. Il s'agit de dire comment on fait en sorte pour passer de ce modèle agricole à un autre modèle, qui est un modèle qui s'appuie sur l'agriculture paysanne, biologique, qui est un modèle qui permettrait peut-être enfin aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre de leur travail, parce que je rappelle qu'ils sont suicides un tous les deux jours dans notre pays. C'est un modèle qui serait compatible et respectueux des limites planétaires et environnementales. Et puis c'est un modèle qui se poserait aussi la question de la préservation et de la prise en compte du bien-être des animaux. Et ce n'est pas une petite question. Et ce n'est pas une petite question. Quand on parle d'harmonie, harmonie entre les êtres humains, harmonie des êtres humains avec la nature, cette question-là, il faut la prendre en compte aussi. Moi, j'ai ce coutume de dire qu'une société qui s'appuie sur l'exploitation des animaux, par exemple, et qui banalise la souffrance à l'égard des animaux, il ne faut pas s'étonner ensuite que ce soit une société qui banalise aussi la souffrance à l'égard des autres êtres humains. Et donc, ces deux questions, elles sont liées et elles sont connectées. Planification écologique, 100% d'énergie renouvelable, une agriculture paysanne sans pesticides, la fin de l'élevage intensif, la promotion de l'agriculture biologique, l'interdiction d'un certain nombre de pratiques d'élevage, la végétalisation d'une partie de l'alimentation. Ça aussi, il faut l'assumer. Il ne s'agit pas de dire que demain, plus personne ne mangera jamais de viande. Il s'agit de dire que si on veut respecter les objectifs, et les objectifs climatiques qui sont les nôtres, on va devoir s'organiser de ce point de vue-là autrement. Les transports, la protection d'un certain nombre de biens communs qui, oui, doivent être organisés par la puissance publique. La question de l'eau, par exemple. Comment on a une politique forestière différente de celle qu'on a aujourd'hui, qui s'appuie sur l'exploitation de la forêt comme une marchandise, la multiplication des monocultures, des coupes rases qui détruisent nos paysages dans un certain nombre d'endroits et détruisent ce poumon indispensable qu'est la forêt. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, mais je veux terminer avec quelques mots sur la situation et l'actualité. Parce que tout ça, le programme qu'on vous a présenté aujourd'hui, ce programme, l'Avenir en commun, que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à acheter, à lire, à faire connaître. C'est un programme qui peut rentrer en vigueur si on s'en donne les moyens dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. N'écoutez pas celles et ceux qui, à longueur de journée, vous disent « de toute façon, c'est perdu d'avance, vous n'y arriverez jamais, regardez les sondages, dans les sondages, vous êtes trop bas pour pouvoir être au deuxième tour ». Juste, je pourrais donner plein d'arguments sur les sondages. Il y en a plein qu'on peut donner. Premièrement, le nombre de fois où ils se sont trompés dans les élections précédentes. Deuxièmement, le fait qu'à cette étape-là, à ce moment-là, c'est-à-dire à 4 mois de la date de l'élection présidentielle, ils s'appuient sur une partie de l'électorat qui est prise en compte dans ces sondages, qui est la partie de l'électorat la plus politisée, celle qui a le moins de risque de s'abstenir. Donc c'est davantage les personnes âgées, c'est moins les jeunes. Les jeunes, ils votent majoritairement ou placent en premier, en tout cas ils l'ont fait en 2017, la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est moins les catégories populaires, c'est davantage les classes supérieures de la société qui aujourd'hui sont prises en compte dans les sondages parce qu'elles disent « oui, nous on va voter parce qu'on va toujours voter » alors que les autres ils disent « bah je sais pas, on verra, c'est un peu loin ». Il y a plein de choses à dire sur les sondages, mais juste quelque chose qui est amusant, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On nous a dit « Valérie Pécresse, elle va être au deuxième tour et maintenant elle peut gagner et battre Emmanuel Macron ». Il y a 2 semaines de ça, on nous disait « Valérie Pécresse, elle est à 9% dans les sondages, elle n'y arrivera jamais ». Vous voyez, les choses, elles sont mouvantes. Les choses, elles peuvent bouger. La vérité, c'est que l'élection présidentielle, elle commence. Elle a commencé pour nous il y a 1 an. Et puis, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la date de l'élection présidentielle, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans cette élection, qui vont commencer à s'y intéresser, qui vont voir les différentes propositions politiques qu'il y a sur la table. Et nous,
dans ce chemin-là tout le travail qu'on aura réalisé avant, qui est un programme de solidification, de préparation sérieuse, méticuleuse de cette élection présidentielle. C'est un programme qui va payer à la fin. Et c'est pourquoi je suis obligé d'en dire un mot, que quand Madame Hidalgo, après avoir dit l'inverse le matin sur un plateau de télévision en disant que l'union serait artificielle, le soir même, c'est-à-dire moins de 10 heures plus tard, vient sur un plateau de télévision, non, 12 heures plus tard, vient sur un plateau de télévision et dire « Bon, je sors le radeau de sauvetage et puis je vous demande tous de venir avec moi dessus. » Franchement, c'est pas sérieux. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Une élection présidentielle, c'est un programme. Une élection présidentielle, c'est organiser la mobilisation, la conviction de millions de gens dans ce pays. On ne le fait pas comme ça sur un coin de table parce qu'on a changé d'avis entre le matin et le soir. C'est pas raisonnable et c'est pas sérieux. Honnêtement, moi, je veux le faire sans mépris. Je veux le faire sans mépris parce qu'il peut y avoir des gens, et peut-être qu'il y en a dans cette salle, qui se posent cette question et qui se disent, bon, est-ce que quand même, ça ne serait pas mieux si, plutôt que 7 candidats, il n'y en avait qu'un ? Bon, vous avez le droit de vous poser cette question. On peut comprendre qu'un certain nombre de personnes se posent cette question. Sans doute d'ailleurs que 7 candidats, c'est trop. Et sans doute d'ailleurs qu'il y en aura moins à la fin. Et par exemple, en ce qui nous concerne, je le dis ici franchement, par exemple avec le Parti communiste, il y a des proximités suffisantes qui font que c'est difficile de comprendre pourquoi ce qu'on a fait en 2012 et en 2017, on n'est pas capable de le refaire ensemble en 2022. On en aurait la possibilité de le faire. Mais à la fin, est-ce qu'on est tous d'accord parmi ces 7 candidatures sur tous les sujets ? Non. Et pas sur des questions, comme j'entends parfois, c'est des problèmes d'ego parce que vous êtes tous d'accord. Mais il y a des questions qui sont des questions centrales. Quand on parle de retraite, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le seul candidat parmi les 3 candidats dont on dit qu'ils sont les 3 gros, je ne sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, Madame Hidalgo, Monsieur Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Madame Hidalgo, elle est pour le statu quo en matière de retraite. Monsieur Jadot, il est pour le statu quo en matière de retraite. Ils disent juste, non, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron reporte encore l'âge légal de départ à la retraite. Nous, on dit qu'il faut la retraite à 60 ans à taux plein et qu'on peut la financer parce que quand on a travaillé toute sa vie, on doit pouvoir partir à la retraite dans des bonnes conditions. Avec Manon, on pourrait vous parler d'Europe, je n'ai pas le temps de le faire là, mais il y a des points de divergence qui sont majeurs. Or, tout ce qu'on vous a dit, ou 80% de ce qu'on vous a dit, 90% de ce qu'on vous a dit ce soir, ce n'est pas possible dans les règles européennes actuelles. Il ne faut pas raconter autre chose. J'ai vu une citation de M. Jadot qui dit « Si vous m'élisez, je trouverai une majorité au Conseil pour interdire le glyphosate. » Mais il va la trouver magiquement, sa majorité. Comment il va faire ? Vous pouvez dire, tant qu'on n'est pas majoritaire parmi au Conseil, donc avec les représentants de tous les États membres, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Mais alors, on ne va rien faire. Et vous ne pouvez pas en même temps dire ça et en même temps dire qu'il y a urgence à agir. Donc je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais il ne faut pas caricaturer les différences qu'il peut y avoir. Il y en a. Certaines, il y a aussi des proximités, c'est vrai. Mais il y a aussi des divergences et elles sont importantes. Donc moi, j'ai envie de dire à celles et ceux qui se posent cette question-là, j'ai envie de leur dire, le travail, c'est un travail de conviction. Comme disait Alexis tout à l'heure, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de truc magique qui permettrait de répondre le problème parce que quand les gens ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est aux électrices, aux électeurs de trancher entre les différents projets qui sont sur la table. Et nous, on va faire ce travail de conviction autour de ce programme. Est-ce que faire ce travail de conviction, ça veut dire renoncer à rassembler ? Ben non. Manon a parlé tout à l'heure du Parlement de l'Union Populaire. Dans le Parlement de l'Union Populaire, on rassemble, on fédère. On ne regroupe pas que les insoumis entre eux. Il y a des gens qui n'étaient pas insoumis et qui se sont dit « on a envie de se regrouper autour de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le candidat qui porte un programme de rupture ». Et moi, je le dis ici, je suis fier d'avoir à nos côtés dans cette bataille Aurélie Trouvé parce que c'est l'ancienne porte-parole d'Attaque et ça veut dire que les gens d'Attaque ils se retrouvent aussi dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis fier qu'il y ait dans ce Parlement de campagne Anthony Smith, qui est l'inspecteur du travail, qui a été sanctionné pendant le Covid, parce que ça veut dire que les inspecteurs du travail, les gens qui sont préoccupés par la question des conditions de travail dans les entreprises, ils se retrouvent dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis fier d'y voir un maire communiste comme Azine Taibi, l'ancien porte-parole de Sandrine Rousseau, Thomas Porte, des écrivains, des intellectuels, des artistes, des acteurs, parce que tous ensemble, ils ont compris que si on s'y met tous, si on se regroupe, si on se rassemble, pas si on cherche des combinaisons politiciennes, si on se rassemble autour d'un programme et qu'on va le porter ensemble auprès de la population, oui, c'est possible de gagner. Et il nous reste 4 mois pour ça, et c'est ma conclusion. 4 mois, jour pour jour,
On est le 10 décembre aujourd'hui, la date de l'élection présidentielle. Ayez-la en tête, parce que c'est plus tôt que d'habitude. Cette année, c'est le 10 avril. 4 mois pour y parvenir. 4 mois pour convaincre. 4 mois pour aller chercher les personnes une par une. Les convaincre sur le programme. Aller dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, le problème, ce n'est pas vraiment de savoir s'ils sont d'accord ou pas avec nous. La plupart du temps, les gens, ils sont d'accord avec nous. La question, c'est de savoir s'ils vont aller voter ou pas. Et il faut donner des raisons, de faire comprendre que oui, c'est important d'aller voter. Et c'est pourquoi les gens qui disent « si on n'est pas rassemblés, on ne peut pas gagner », il faut quelque chose qui est contre-productif. Parce qu'à la fin, ils génèrent le sentiment que oui, on ne peut pas gagner. Et donc les gens qui hésitent à aller voter ou ne pas aller voter, bah, ils restent à la maison parce qu'ils se disent « ça sert à quoi d'aller voter si on ne peut pas gagner ?» Donc faites les propositions stratégiques que vous voulez, faites les choix tactiques que vous voulez. Là, je parle à celles et ceux qui nous interpellent sur le sujet. Mais s'il vous plaît, semez pas de la désespérance et de la résignation. Nous, on fait le boulot pour convaincre. On essaye de convaincre des gens qui hésitent à aller voter que oui, ça vaut le coup d'aller voter, de se déplacer, prendre un bulletin de vote, d'aller à l'élection parce qu'on peut changer les choses. Vous avez le droit de penser que ce n'est pas la bonne stratégie. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais ne générez pas de la désespérance dans la population parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, je suis le seul à ne pas avoir respecté mon temps de parole, mais tout à l'heure, on m'a dit, tu as le droit de parler un petit peu plus longtemps. Comme tu es le dernier. Bon, voilà, 4 mois pour gagner. Un mot, parce qu'on m'a dit, il faut vous le dire. Pour gagner, il faut présenter sa candidature. Pour présenter sa candidature, il faut avoir 500 parrainages. Et on ne les a pas pour l'instant, les 500 parrainages. Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un dont le père a un fils qui est lui-même cousin d'un maire. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dans sa famille, quelqu'un qui est au conseil municipal et qui peut solliciter son maire. Bref. Ou peut-être que vous connaissez personne, mais que vous avez envie d'aller taper dans des portes, aller prendre des rendez-vous avec des maires, mais faites-le, c'est important. Parce que tout ça n'a pas de sens si on ne peut pas présenter notre candidature. Oui, il y a une aléa démocratique. Oui, c'est vrai qu'un candidat qui a fait 20% à la dernière élection présidentielle ne devrait pas avoir besoin de passer par ce filtre, et on a fait d'autres propositions. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on a sous les yeux. Et donc, on a besoin d'aide sur le sujet. Si vous voulez aider, je suis sûr qu'il y a des camarades ici dans la salle qui pourront vous aider. 4 mois pour faire ce travail de conviction. Nous, on l'aborde plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de combativité. On espère vous en avoir transmis un petit peu ce soir. Et il y a Jaurès qui disait, je terminerai avec cette petite citation, mais elle me paraît bien adaptée au moment qu'on est en train de vivre. Jean Jaurès disait, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais à la fin, elle justifie l'invincible espoir. Alors on s'y retrouve.